Le projet à l'origine est né d'un concours qui était organisé par la CERL, qui était aménageur de l'ensemble du quartier qui est dit le quartier de l'industrie, qui est un quartier à vocation tertiaire. Hein. Donc ce site qui était avant un site industriel était transformé avec la vocation qu'un certain nombre d'entreprises, de bureaux, de sièges sociaux viennent s'installer ici. Et l'objet du concours, donc il y a peu de logements, c'était de travailler sur, quand même, malgré tout, l'installation de quelques logements qui sont en relation avec les logements qui existent ici. Il y a un peu d'habitat intermédiaire, il y a du petit collectif. Ici, on trouvait ce qu'on appelle, moi, un quartier de faubourg, c'est-à-dire qu'on trouvait un garagiste, deux maisons individuelles, un petit collectif de 10 logements. Et donc, la vocation de la SERL, quand elle a lancé ce concours sur ce terrain-là, c'était de dire, il faut qu'on trouve un habitat intermédiaire, le mot est lâché, entre, en tout cas, un quartier tertiaire. Et puis une centralité plus classique, voilà, qui est celle du centre de Vaise ou du centre de Lyon. Sur cet îlot, au total, c'est du type 2, type 3, type 4, type 5. La première tranche était orientée vers du grand logement, notamment parce qu'on a de l'intermédiaire. Nous avons 15 logements collectifs, si j'ai bonne mémoire, et un peu moins d'une vingtaine de logements intermédiaires. Et sur la deuxième tranche, nous avons deux plots, deux petits immeubles de 15 logements chacun. Ici, on a défini une typologie assez simple et qui permet de gérer pour nous la superposition entre des logements à rez-de-chaussée et des logements à l'étage en essayant d'offrir à chaque logement des espaces extérieurs et en même temps de ménager les problèmes de vis-à-vis et d'intimité. Donc ici, on a développé à rez-de-chaussée des logements en flat, c'est-à-dire qui sont sur un niveau où chacun a son jardin. Et sur les deux niveaux qui sont au-dessus, c'est un seul logement en duplex, qui est, on va dire, relativement introverti, qui est tourné autour d'un jardin qu'on voit ici, d'un petit patio, hein, qui profite du ciel, et celui du rez-de-chaussée va profiter, lui, d'un jardin privatif. L'espace individuel, il est relativement simple, c'est une clôture, et puis une maison au milieu, et une maîtrise de son terrain foncier, hein. Un habitat collectif. Il est souvent vertical et on va partager collectivement un certain nombre de choses et le sol va être collectif. Alors que dans l'habitat privatif, le sol est totalement privatif. Sur l'habitat intermédiaire, ce qu'on a essayé de faire ici, c'est un, de redonner au sol, c'est-à-dire au jardin, un usage privatif, ce qui n'est pas a priori le cas dans l'habitat collectif, de trouver des accès, à son logement. Qui soit ou individuel ou ce que j'appelle partagé. C'est-à-dire partagé, on partage à deux, quoi. Après, quand on est plusieurs, on appelle ça du collectif. Et c'est cette grande différence qu'il y a entre le collectif et l'individuel qui est pour nous très difficile à réaliser, surtout par rapport à une pratique française qui aime bien que les choses soient relativement claires sur la question de la propriété. Et qu'ici, on crée de l'ambiguïté. L'intermédiaire était nouveau. C'est un produit dont on parlait un petit peu, mais qui était peu construit. Donc, on avait peu de références réalisées par des confrères et pas d'expérience en interne sur ce sujet. Donc, il a fallu apprendre en même temps qu'on dessinait les logements et qu'on se projette sur le type de client, sur son type d'envie. On avait essentiellement des gens qui achetaient en résidence principale, alors un peu de tout, parce qu'on avait des logements qui étaient assez variés entre les deux pièces, mais qui étaient des deux pièces en moyenne qui doivent faire 51 mètres carrés, donc plus large que ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc des budgets qu'il faudrait remettre aussi quand même dans le cadre de l'époque, et puis des appartements type 5, aussi taille importante, l'ordre de 120 mètres carrés. C'est un coût construction qui est important. On a un développement par exemple de façade par rapport à la surface habitable qui est forcément important, qui apporte de la qualité de vie. Mais qui engendre aussi un coût de construction important. Là, l'opération est belle parce qu'il y a un grand travail du détail, mais dans chaque détail se cache un coût et il faut arriver à le cerner bien en amont, trouver des solutions techniques pour avoir une qualité architecturale et en même temps une diminution des coûts, parce que si on n'arrive pas à diminuer les coûts de production, on n'arrivera pas à baisser le prix des logements, ce dont on a besoin aujourd'hui. Ici, on va trouver des rapports de voisinage. Ce qu'on peut retrouver dans les quartiers de faubourg, avec des maisons qui sont imbriquées les unes dans les autres, alors qui peut générer peut-être aussi du conflit, hein, parce qu'on va voir son voisin autrement que dans l'immeuble collectif. L'immeuble collectif, il nous protège un peu du voisin, je trouve. L'habitat intermédiaire, il oblige à vivre ensemble.
Donc pour moi, c'est pour ça qu'il pose des problèmes. Mais par contre, pour le logement, il va mettre le logement dans des situations très, très diverses. C'est-à-dire qu'ici, on va trouver des logements qui ont 2, 3, 4 orientations qui vont avoir vue sur le ciel. Et donc, ils seront beaucoup plus diversifiés qu'on ne peut l'avoir sur un habitat collectif.